Samedi, la journée va être mouvementée pour certains secteurs de la province, notamment le long de la vallée du Saint-Laurent entre Montréal et Québec, alors que des orages potentiellement violents pourraient se produire en début d'après-midi jusqu'en soirée. Aujourd'hui, le principal moteur d'instabilité va être le réchauffement fourni par le soleil. Et aussitôt qu'il va être couché en fin de soirée, l'instabilité va descendre également, donc le risque d'orage va diminuer aussi assez drastiquement. Parlant d'indices, le cisaillement aujourd'hui reste relativement faible, donc les orages vont être de courte durée de vie, mais plutôt généraux. Et le soulèvement et l'instabilité sont très élevés, donc on pourrait assister à des orages explosifs et une humidité moyenne qui va permettre d'accumuler des précipitations sous les orages les plus forts. Avec justement le caractère explosif des orages, donc une ascension verticale très rapide combinée à une illicité de surface, on pourrait avoir droit à des trombes terrestres ou marines sur les plans d'eau aujourd'hui, ça reste à surveiller.